Esther Olembe est enseignante d'université, docteur en sciences de l'information et de la communication, chef du département de l'information documentaire à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication et directeur des archives nationales du Cameroun. Alors, l'archivage, c'est un ensemble de techniques et de procédés qui permettent à une entreprise ou à une organisation quelconque de pouvoir maîtriser sa production documentaire, mais surtout de pouvoir la conserver et la communiquer pour des utilisations futures. Donc l'archivage est une fonction de l'entreprise qui a pour objet principal le classement, la collecte d'abord, le classement, la conservation et la communication de toutes les informations produites et reçues par une organisation. Alors, bien évidemment... Vous allez constater que, aussi bien en archivage physique qu'en archivage électronique, il y a d'abord le mot archivage. Donc, l'archivage physique consiste donc à organiser toute l'information qui est produite de manière physique. Ça peut être tous les supports physiques que vous pouvez imaginer. C'est le papier qui est toujours le premier support que nous connaissons, mais il y a également d'autres types de documents sur support physique. Et donc, ils sont conservés, qui sont traités avec des méthodes de gestion physique. Maintenant, l'archivage électronique concerne des documents qui sont soit nativement créés électroniquement, soit alors qui ont subi une transformation numérique à travers la numérisation. Donc, l'archivage électronique implique donc l'utilisation des outils électroniques. C'est d'abord l'ordinateur, ensuite c'est des logiciels qui permettent de faire la collecte, de faire le classement, de faire la conservation et la communication de l'information. Donc, en gros, la technique ou les techniques archivistiques ne changent pas. Ce sont les supports qui changent et possiblement les dispositifs de gestion des archives qui changent, qu'on soit dans le système physique ou dans le système électronique. Alors, vous savez, quel que soit le domaine dans lequel on est, lorsqu'on veut mettre en place un système ou un dispositif, on a besoin de savoir ce qui se passe. Donc, dans le champ archivistique, vous ne pouvez pas arriver dans une organisation et vous avez besoin de mettre en place un système archivistique. Vous devez savoir quels sont les process qui conduisent aussi bien à la production qu'à la conservation des documents. Vous avez besoin de connaître la traçabilité des documents. Lorsqu'un document entre dans la structure, dans une structure, comment on le gère, quel est son circuit jusqu'à sa sortie, comment sont élaborés les dossiers, à quel moment on clôt ces dossiers, quels sont les outils qu'on utilise pour pouvoir gérer l'information, quels sont même les équipements qui sont utilisés pour la conservation de ces informations. Tout ça est tellement important et généralement les audits portent sur trois grands ensembles. C'est l'infrastructure, d'abord, c'est l'infrastructure. Quand je dis infrastructure, c'est le contenu documentaire et c'est la ressource humaine qui travaille à la conservation de ces documents. Donc, les audits archivistiques ont pour principale ambition de pouvoir rendre compte de l'état des lieux de la gestion de l'archivage dans une structure pour après développer un ensemble d'outils et de process qui vont permettre un archivage harmonieux au sein d'une organisation. Donc, l'audit archivistique est l'élément de base, c'est l'entrée. C'est la porte d'entrée pour la mise en place d'un système de gestion d'archivage archivistique au sein d'une entreprise. Bon, il faut que je comprenne bien votre expression bourse de gestion.
En tous les cas, les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus faire l'économie de la gestion des archives. Ce n'est plus possible. De toutes les façons, la reddition des comptes est un élément central. La gouvernance d'une organisation est un élément également central. L'histoire de l'organisation est centrale. Comment on peut faire sans archivage? Donc, qu'il s'agisse de l'archivage physique ou de l'archivage électronique, les entreprises, les organisations ont d'abord une obligation qui tient lieu du droit, parce que la loi l'exige, mais également parce qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas être suffisamment compétitifs s'ils n'ont pas mis en place des bons systèmes de gestion d'archivage, aussi bien physique qu'électronique. Derrière votre question, je reviens un peu dans notre environnement ici au Cameroun, il faut le dire, et on ne le dira jamais assez, la fonction archivage est une fonction un peu faible dans les organisations, ce qui amène parfois les organisations, seulement quand elles sont dos au mur, qu'elles pensent effectivement qu'elles auraient dû mettre en place leur système d'archivage. Et cela arrive toujours lorsqu'on veut fêter ses anniversaires, le 10e anniversaire de la création d'une organisation, après on se dit, mais comment on fait pour retracer l'historique de l'entreprise? Et c'est toujours un casse-tête, et jamais on a affaire à une histoire exhaustive, parce qu'effectivement, l'archivage étant le ventre mou de l'organisation, on a du mal à reconstituer son histoire. Alors ça, c'est pour l'histoire, mais pour la gestion quotidienne, voyez-vous, la prise des décisions doit porter sur des éléments probants. C'est-à-dire que pour que votre DG prenne une décision, il lui faut quand même une certaine documentation. Alors si cette documentation n'est pas bien organisée, vous allez vous rendre compte qu'il sera difficile. Vous allez passer beaucoup de temps, le manager va passer beaucoup de temps pour pouvoir prendre une décision, et ça a un impact sur la compétitivité de l'entreprise. On fait avec, c'est des petites choses qui au quotidien impactent négativement sur la compétitivité de nos entreprises, mais on ne se rend pas compte. On pense que les performances peuvent être évaluées à partir d'autres indicateurs, et pourtant l'indicateur archivistique, ou à tout le moins la bonne organisation de l'archivage au sein d'une entreprise, est un indicateur fondamental pour la bonne prise de décision. Donc maintenant, le challenge pour nos entreprises qui n'ont déjà pas des bons systèmes d'archivage physique et qui ont pensé à partir, j'aime toujours faire appel à cette fameuse théorie du saut de la grenouille, où on a pensé que l'arrivée des technologies de l'information et de la communication était la panacée et que ça permettait effectivement de régler tous les problèmes que nous n'avons pas réglés en archivage physique. J'ai envie de dire très rapidement non, parce que il ne s'agit que d'outils, ce ne sont que des outils. Le document électronique lui-même a besoin d'être juridiquement travaillé, parce que si vous mettez en place votre système de gestion électronique des documents ou votre système d'archivage électronique, et que dans ce système d'archivage électronique, vous n'y avez mis que des archives physiques que vous avez numérisées, il faudrait savoir que vous avez une banque d'informations de photocopies. Vous n'avez pas des originaux. Et à partir de ce moment, vous ne pouvez pas justifier, par exemple, de l'authenticité de votre document si vous n'avez pas respecté le process qui attribue aux documents électroniques son authenticité et sa valeur probante. Alors, l'archivage, alors est-ce que c'est le matériel technique ou bien c'est les documents qui sont issus des activités techniques de l'entreprise? Parce qu'il faut bien qu'on s'entende. Alors, dans l'archivage, il y a deux catégories d'ensemble de documents. Il y a ce qu'on appelle les documents de gestion et ce qu'on appelle les documents d'exploitation. Alors, les documents d'exploitation portent effectivement sur ce que vous appelez matériaux techniques, c'est-à-dire les documents d'exploitation portent sur le cœur d'activité, tandis que les documents de gestion portent sur les fonctions d'accompagnement. Je vais vous prendre un exemple simple. Si nous sommes dans une entreprise agroalimentaire, on sait que le cœur de cette entreprise-là, c'est la production ou la transformation
n'est-ce pas, les aliments, ou je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça le cœur de l'activité. Mais sauf que pour pouvoir mener à bien cette activité, vous avez besoin des fonctions support. Vous avez besoin d'avoir un service ou une direction des ressources humaines, déjà votre personnel. Vous avez besoin d'avoir une direction des finances, vous avez besoin d'avoir une direction, je ne sais pas, de la coopération, je dis n'importe quoi. Mais toutes ces fonctions-là sont des fonctions support qui viennent accompagner le cœur de votre métier. Et généralement, comme ce sont des accompagnateurs, qu'est-ce qui est privilégié? C'est le cœur de métier. Ce qui suppose quoi? Ce qui suppose que on repart un peu dans les principes économiques, notamment la fameuse Maxime de Vilfredo Pareto, qui nous dit que 80% de notre énergie doivent être consacrés pour les 20% des documents essentiels de l'organisation, documents pour lesquels, si on ne les conserve pas bien, peuvent emporter dans le sens, mais vraiment de faire disparaître l'entreprise. Alors, pour revenir donc de manière plus spécifique à votre question, l'archivage, dans ce sens-là, entraîne une idée de discrimination. Donc, le spécialiste de l'archivage à l'intérieur de l'entreprise va donc discriminer les dossiers qui sont dits essentiels ou ce que nous appelons aujourd'hui dans notre jargon les dossiers engageants, qui engagent l'entreprise, et va prendre beaucoup de soins pour les organiser. Cela ne veut pas dire qu'on va jeter les autres à la poubelle, mais on va davantage prioriser l'archivage des documents dits engageants qui portent donc effectivement sur le cœur de métier, tout en associant les fonctions qui accompagnent le cœur de métier.